Bonsoir, bienvenue. C'est un nouvel épisode de City Skylines Marinex avec Frido. Et là, visiblement, on est en fort déficit financier. Pas trop ce qui s'est passé. Vu que ça fait quasiment une semaine que j'ai pas joué, je sais plus trop où j'en étais. Mais on est en train de regagner des habitants, donc... Ah oui, j'avais commencé des zigzags d'impôts. Pour un peu retaper ma ville, c'était pas une mauvaise idée. Ma ville que je ne reconnais plus. C'est passé tellement de choses. Là, c'est bien bouché. Il faudra faire d'autres sorties d'autoroute, je pense. Voilà. Niveau électricité, on n'est vraiment pas top du tout. Mais on est en déficit, donc on va attendre peut-être que la population remonte. On va éviter de continuer à faire des zigzags peut-être. Avec les impôts. Et faire en sorte que ça remonte. Bah non, parce que du coup le nombre de nouveaux habitants repart à la baisse. Et bah donc on va se relancer dans le zigzag du coup. Parce que c'est pénible là. Tac, allez. Vite régler cette histoire. Hop. Tac. Donc, monter à une certaine somme confortable. Là, ça devrait aller. Là, ça devrait aller. Électricité, il y a toujours des problèmes. On va placer un truc. Tant pis, là, si c'est en pleine ville pour le moment, mais on va placer un truc qui fera l'électricité juste là. Est-ce qu'on a assez d'ailleurs? Non. Sa mère. Donc du coup ce seront des éoliennes, voilà. Circulation. Bah on est toujours un peu embêté, mais bon tant pis, là c'est pas la priorité, on va dire. Tac, pas assez d'employés. Ah, souris, ta mère. Péter les couilles cette souris merdique là. On est mieux en tout cas de ce côté-là, c'est bien. Là, ça va. On va peut-être faire un peu plus. Tac. Niveau habitation, mettre un peu plus par ici. Ce qu'on va faire, c'est pas intelligent de mettre une toute petite rue comme ça dans une entrée de quartier. On va faire ça, ce type-là. Voilà. Là, hop, tac. 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 On va mettre des parcs par ici. Tac. Tac. Et tac. Voilà. Ensuite. Ah, et c'est vrai qu'ici j'avais fait toute une zone de d'habitation, donc maisonnière. Donc ce sera ce que ce sera. Les écoles, il n'en manque pas par ici, peut-être. Eh ben, on va en placer quelques-unes. Tac, là. Ça fera pas de mal. Et on a déjà plus d'argent. Le nombre d'habitants est en train de remonter, donc c'est pas une mauvaise chose. Peut-être que le déficit finira par s'arrêter à un moment.
On va remettre une éolienne ici aussi si besoin. Ici, il y a des, c'est censé être des bureaux, très bien. On n'a pas tout bien fait nos quartiers là encore, je crois. Comme celui-ci, par exemple. Quartier de commerce. Hop. Tac. Vallée de cerises, non, j'aime pas ce nom. Ce sera Thierry. Thierry Shops, non, non. Thierry Square. Thierry Quarter. Merde. Non, le quartier cerise plutôt, tout simplement. Voilà. Là aussi, problème d'électricité, visiblement. Et je peux rien acheter. On va rejouer avec les impôts, hein, je crois. Hop. On va attendre que ça monte jusqu'à 100 000 cette fois-ci. Rapidement. C'est bon, on y est. Ah. Tac, 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 tac. Voilà, on est bien. Problème d'électricité. Tac, tu te mettras là. Là, j'ai carrément viré. C'est pas une mauvaise idée. On va faire peut-être là des boutiques. Et on va laisser le reste non zoné. Parce que ça encombre trop les routes après. Ici, on va mettre peut-être des parcs et des espaces verts. Les arbres. Des palmiers. Très bien. Ensuite, ici il y a des besoins en eau. Tac, 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 tac. Ensuite, ici on a dit qu'on faisait une autre zone industrielle derrière derrière la gare. Problème d'électricité, tac. On va te mettre une éolienne en ville, on s'en fout, hein, tant pis. C'est le moyen de régler ça là tout de suite. Et là, on va te mettre tac ça. La route ici.
Voilà. Et on n'est plus en déficit, donc c'est super. On regagne des habitants. Excellent. Ici, on va faire une partie. Avec des bureaux. Zone habitable ici. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Les écoles. Tac. Problème d'électricité toujours. Là aussi. Il y a quelque chose qui s'est vraiment mis là. On peut voir la zone. Pas encombrer la circulation, là, qu'est-ce que tu fais? On a des arbres ici. Encore des problèmes. C'est sous l'électricité là. Mais il faudrait peut-être que j'augmente aussi les. Plutôt que d'installer ça de partout. Que j'augmente les dépenses dans le budget. Je vais voir. Le budget de la ville, il est où là, sa mère? Tac, tac, tac. Il faudrait qu'on baisse les impôts, ça fera peut-être venir plus de monde. On va mettre tout le monde à 10. Bon, par des gens déjà 10 ou moins. Ça va rejoindre comme ça. Et là, on est en déficit. Il faut que plus de gens se ramènent. Il faut que plus de gens se ramènent. Il faut que plus de gens se ramènent ici. Et s'installe pour régler ses problèmes de déficit. Tch,
On va repasser à 10. Ceux qui ne sont pas. Plus de problèmes de circulation pour cette zone industrielle, c'est le plus important. Niveau transport, on est comment? On va mettre un truc qui fait ça et qui va. Et qui va où? Bon, y a pas de bus qui passe là. Donc une nouvelle ligne de bus. Tac. Qui sera vert foncé. C'est la ligne 6. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut installer qui ferait plaisir aux gens? Oh là, il y en a fortement besoin ici. Combien là? C'est 12 000. On va attendre un peu. Y a besoin de commerce, visiblement. On va mettre quelques commerces ici. Voilà. Là, ça commence à bloquer sévère la circulation, donc on va faire une nouvelle sortie. Et c'est vrai qu'ici, le soir, la circulation, c'est une cata, un pétard. Ici, on va continuer la route.
Et alors au bord de des machins de train comme ça, je suis pas sûr qu'on peut-être mettre des commerces, mais c'est surtout des nouvelles habitations qui vont mettre en fait ici la sortie d'autoroute. Ce sera plus intéressant pour le développement de la ville aussi. Tac. Genre. Là. Et là. Un truc qui rejoint comme ça. Tout ça, ce sont une zone de résidence forte densité. Voilà. On va mettre des parcs, des écoles, et les gens viendront s'installer petit à petit. Un petit collège, voilà. Au bord de la rivière. Hop. Voilà. Tac. Voilà. Ce seront peut-être les dernières actions que je vais faire. Pourquoi il y a beaucoup de morts là d'un coup? Qu'est-ce qui vous prend? Pas besoin de police dans ce quartier là par hasard? Pas particulièrement, hein. Tac. Et voilà en gros ce qu'on pouvait faire dans cet épisode, je pense. Ah, j'ai oublié de mettre de l'eau ici. Ah, toujours des problèmes d'électricité parce que les trucs sont pas reliés. Pourtant, toutes les maisons... Enfin, toute la zone est zonée quoi. Ça qui est chiant, c'est qu'il faut attendre que du coup ça se construise pour que l'électricité se propage quoi. C'est saoulant. Bon voilà. On avancera dans le prochain épisode, peut-être augmenter les frais, parce que là j'ai encore beaucoup de problèmes d'électricité, augmenter les frais alloués à l'électricité, ça sera moins chiant peut-être. Voilà. En tout cas niveau habitants c'est bien, on a bien gagné, donc tout va bien. Un mort attend d'être transporté.
cimetière. Du crématorium. Moi, j'aime pas les cimetières. J'ai horreur de ça. On va mettre un là, mais on va mettre un ici à côté des poubelles. Ouais. J'aime pas du tout. Je préfère les crématoriums. Et voilà. Ce qu'on peut dire. Il n'y a pas besoin, il y a besoin de police là, non? Bref. À voir. À voir dans la gestion du budget dans le prochain épisode. On augmentera du coup les montants alloués au service. Hein, parce que là, il y a quand même quelques problèmes encore. Voilà. Merci d'avoir suivi cet épisode. En tout cas, on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de Cities Skylines Marine X avec Fredo. Bye bye.